Unité 2. Droits et devoirs. Semaine 1 et 2. La conjugaison se fait comme si. Donc, se fait comme si on a fait la conjugaison, le présent de l'indicatif des verbes du troisième groupe. Le présent de l'indicatif. Chaque matin, je vais à l'école. J'apprends à lire, à écrire, et à compter. Pendant la récréation, je me rends à l'espace jeu pour passer de bons moments avec mes camarades. Je me rends à l'espace jeu pour passer les actes وقت جميل avec mes camarades, ma أصدقائي. À midi, je reviens à la maison, le soir, je fais mes devoirs. أنجزوا واجباتي. Donc, j'observe et je découvre. Question numéro 1. Combien y a-t-il de phrases dans le texte ? كم من جملة لدينا في هذا النص ؟ نسبهم. جملة الأولى. La première phrase se termine par un point. Deuxième phrase, troisième phrase, quatrième phrase, et enfin la cinquième phrase. Donc il y a cinq phrases. Il y a cinq phrases. Quel est le temps de chaque verbe? Passé, présent ou futur? Je me rends. Je reviens. Je fais. J'apprends. Le présent. Donc, les verbes sont conjugués au présent. C'est-à-dire, je manipule et je réfléchis. Question numéro 1, relève les verbes conjugués dans chaque phrase et indique son infinitif. Les verbes conjugués, indique l'infinitif. C'est le verbe aller. J'apprends, le verbe apprendre. Je me rends, le verbe se rendre. Je reviens, le verbe revenir. Enfin, on a je fais, le verbe faire.
Donc, question numéro 2. À quel groupe appartient ces verbes? Je vais, le verbe aller, c'est un verbe du troisième groupe. Il y a un ler, c'est un verbe du troisième groupe. J'apprends, le verbe apprendre, c'est un verbe du troisième groupe. Je me rends, se rendre, c'est un verbe du troisième groupe. Je reviens, c'est le verbe revenir, c'est un verbe du troisième groupe. Je fais, le verbe faire, c'est un verbe du troisième groupe. Question numéro 3. À quel temps ces verbes sont-ils conjugués? Et à quelle personne? Ils sont conjugués au présent. À la première personne du singulier. Je vais. J'apprends. Je me rends. Je fais, il est la première personne du singulier, il est je. Ces verbes gardent-ils toujours le même radical? Là, ils ne gardent pas le même radical. Ces verbes ont-ils toujours la même terminaison? Ils n'ont pas la même terminaison. Donc, redis le texte en remplaçant je par nous. Et que remarques-tu? Il y a un khalawanasada ou le kanasata golo. Je, avant de placer, nous. Chaque matin, je vais, nous allons à l'école. Nous allons à l'école. Nous apprenons à lire, à écrire, à compter. Pendant la récréation, et d'un place Dieu, je me rends dans le goulot. Nous nous rendons à l'espace Dieu pour passer de bons moments avec nos camarades. À midi, nous revenons à la maison. Le soir, nous faisons nos devoirs. Et d'un, est-ce que là, que remarques-tu? Le radical et les terminaisons changent. Et dans question numéro 7, refais la même chose avec d'autres personnes. Elle, vous, refais la même chose. Et d'un, كتب بنفس الطريقة ولكن هذه الخطرة بلا بيرسون ال بيان وعاوتاني فو إذن اون فا فير لو ديالوغ هذا النص غنديرو هذا النص شاك ماتان إذن عوض ما نديرو جو في اون فا ميتر ال ال فا ال فا ليكول إذن غنغيرو فقط غير لي فيرب إذن بما أننا غنغيرو لي بيرسون غنغيرو أيضا لي فيرب إل فا أ ليكول نفس الشيء عندي هنا جابخون أ ليغ إذن بلاصة جو
Rendil, elle apprend pour Al-Khul, elle apprend à lire, à écrire et à compter. Pendant la récréation, elle se rend, idem, à la place de je me rends, idem, ewad mangul, je me rends, elle se rend. La même chose ici, idem, à la place je reviens, je reviens à la maison, on va mettre la personne. La troisième personne du singulier vient elle. Elle revient à la maison. Le soir, elle fait ses devoirs. Le soir, à la place de je fais, elle. Ou qu'est-ce que tu quand je fais avec la terminaison AIS, ou elle fait la terminaison AIT. Ou quand tu as dit je reviens à la terminaison IENS, ou elle revient IENT. Et dans cette fois avec vous, vous, la personne, la deuxième personne du pluriel. Donc, chaque matin, vous allez à l'école. Et bien, à la place de je, on va faire vous allez à l'école. Vous apprenez à lire. Donc, à la place de j'apprends à lire, vous, la deuxième personne du pluriel, vous apprenez à lire, à écrire et à compter. Pendant la récréation, vous rendez. C'est un verbe pronominal ici. Canada. Je me rends. Again. Avec la deuxième personne, vous rendez à l'espace je pour passer de bons moments avec vos camarades. À midi, vous revenez. Again. À la place de je reviens, vous revenez à la maison le soir. Le soir, vous faites vos devoirs. Then, à la place de je fais, on a ici, on va mettre vous là, la deuxième personne du pluriel, vous faites. Et enfin, je retiens au présent de l'indicatif les verbes du troisième groupe. N'ont pas toujours les mêmes terminaisons. Dans la troisième groupe, ils ont la même terminaison. Mais je parle des verbes du premier groupe. Verbes du premier groupe ou les verbes du deuxième groupe. On a les verbes en IR. Donc IR à la fin. Terminaison SST ONS EZENT. Par exemple, le verbe sortir, je sors, tu sors, il sort, elle sort, nous sortons, vous sortez, ils sortent, elles sortent. Vous voyez? La terminaison je sors, terminaison S, tu sors, S, il sort, la terminaison T, nous sortons, ONS, vous sortez, EZ, ils sortent, ENT, elles sortent, ENT. On a aussi la terminaison DIMEN, S, E, S, E. Les verbes qui se terminent. Donc, il m'a dit qu'on les terminaisons SST ou bien SESE. ONSEZENT. Par exemple, le verbe ouvrir.
J'ouvre, la terminaison E. Tu ouvres, ES. Il ouvre, E. Elle ouvre, E. Nous ouvrons, ONS. Vous ouvrez, EZ. Ils ouvrent, ENT. Elles ouvrent, ENT. Les verbes en DRE, DRE. Par exemple, le verbe entendre. Vendre, donc SSD, ONSEZENT. Exemple, le verbe vendre. Je vends, S, tu vends, S, il vend D. Elle vend D, nous vendons, ONS, vous vendez, EZ. Ils vendent ENT, elles vendent ENT. De nombreux verbes du troisième groupe sont irréguliers. Irréguliers, réellement amis. Leurs radicaux changent selon les personnes. Le radical change selon les personnes. Exemple, aller, ce n'est pas un verbe du premier groupe. Quand on a le verbe du premier groupe, un dom er, le verbe aller, c'est un verbe du troisième groupe. Je vais, tu vas à S, il va à, nous allons au NS, vous allez EZ, ils vont au NT. On a le verbe vouloir. Vouloir, c'est comme le verbe pouvoir, pouvoir aussi. Je veux X à la fin, tu veux EUX, il veut EUTT à la fin. Nous voulons, vous voulez, ils veulent. Pour les verbes pronominaux, moi les verbes, les quatre cônes, par exemple, un de ceux sont se promener, se rendre. On rajoute le pronom réfléchi qui convient devant chaque exemple. Par exemple, se rendre, se, qu'un le pronom réfléchi, je me rends, pronom réfléchi, je me rends, tu, j'ai le pronom arrot, tu te rends, il se rend, nous, j'ai le pronom réfléchi, nous rendons. Vous vous rendez, ils se rendent. La montagne. Question numéro 1, la page 51. Je relis le sujet au groupe verbal qui convient. Le sujet, chaque sujet au groupe verbal qui convient. Par exemple, vous, il y a vous, je vous te rends, te mets là, venons, non, en, là, prenez, là, le verbe, prenez la terminaison. EZ, vous prenez,
Vous prenez soin de vos enfants. Vous prenez soin de vos enfants. Chaque enfant de mes là, sera là, venant là, en là, qui prenne un doigt. La terminaison de Tejhadi, la troisième personne du singulier. Chaque enfant doit avoir un nom. Yajib. Chaque enfant doit avoir un nom. Yajib à la collecte une nationalité dès sa naissance. Ou tchounando jinsiya. Nous aimons Ralat, nous venons de loin. Venons la terminaison ONS. Nous venons de loin. Tu te mets au travail. La deuxième personne du pluriel, du singulier. Elle, qu'est-ce que sera elle, la troisième personne du pluriel, pour indiquer, elles ont des droits en. Donc, la phrase juste, elles ont des droits. Question numéro 2, j'ajoute la terminaison du présent de l'indicatif qui convient à chaque verbe. Idem mutlobni. Nkemmel la terminaison du présent de l'indicatif. Jumla loula à l'école nous apprend la première personne du pluriel. Nous apprenons un S, nos droits et nos devoirs. Les arbres, là, j'espère, leurs feuilles en automne. Kedeyo, la orak, gelhom, puis el kharif. Donc, père, les arbres, troisième personne du pluriel, la tchounanda, un de. Père. Tu prends, identité, tes médicaments, l'edouya, à l'heure, filoir. Tu prends la terminaison S. Vous répondez, vous, la deuxième personne du pluriel, répondez, un tujibouna. À cette question, donc EZ, vous répondez EZ. Question numéro 3, je conjugue les verbes mis entre parenthèses au présent de l'indicatif. Je conjugue. On s'arrête à Vazelia, le mot juda entre parenthèses. Au présent, nous, le verbe être, chanceux, nous sommes, c'est bien, nous sommes chanceux. Tu, des devoirs à faire. Le verbe avoir au présent. Tu as des devoirs à faire. Vous, le verbe faire beaucoup d'efforts pour aider les autres. Idem antum ta'amaluna. Beaucoup de mejhoudat katira li musa'adat al-akharin. Pour aider li musa'adat al-akharin. Vous, la deuxième personne du pluriel, vous faites, c'est très bien. Les enfants, l'atfal, le verbe pouvoir pratiquer,
ممارسة leur loisir préféré, هواياتهم المفضلة. Le verbe pouvoir, c'est la troisième personne du pluriel, les enfants. Donc, ils, on va mettre ils, peuvent, c'est très bien. Chaque dimanche, au club de tennis, tu, le verbe aller au présent, tu vas au club de tennis. Je m'évalue, je conjugue les verbes mis entre parenthèses au présent de l'indicatif. Donc, tous les citoyens, j'ai mis à moi tenir des droits et des devoirs. Le verbe avoir au présent, donc tous ils ont des droits et des devoirs. Il est la troisième personne du singulier et du pluriel. Respecter leurs devoirs. Ils doivent respecter leurs devoirs. Notre école, Madrasatuna, être équipée d'un réseau Wi-Fi. Mujahaza. Le réseau Wi-Fi. Le Wi-Fi. Notre école est équipée. Nous, le verbe lire, la première personne du pluriel, des livres sur les droits et les devoirs. Des livres, kutub, sur les droits. حول الحقوق والواجبات. Nous lisons. Ces enfants, هؤلاء الأطفال, une bonne action. Le verbe faire, يعملون. Donc, ces enfants font une bonne action. Et la dernière question, je conjugue les verbes au présent de l'indicatif aux personnes indiquées. Je conjugue au sarif al-thalia au présent de l'indicatif aux personnes indiquées. Le verbe lire, idanana, bnisbelina li marchi, le livre de conjugaison, lire tu. Tu lis, nous lisons, vous lisez, elles lisent. Le verbe écrire, tu écris, nous écrivons, nous écrivons. Vous écrivez, avec le pronom, on fait la liaison. Vous écrivez, elles écrivent, donc écrivent. Le verbe ouvrir, yefta. Ouvre, nous ouvrons, vous, ouvrez, avec la personne, vous ouvrez, et elles ouvrent, donc ouvre. Se mettre,
Viens-tu t'aimer? Nous, avec la personne, nous mettons un indice. Vous mettez, se mettre. Donc, elle se met. Le verbe venir, yati, viens. Nous venons. Vous venez. Elles viennent de zen ENT. وناتي الى نهايه الصفحه 51 وشكرا.